Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir une petite figurine. Bon, c'est pas très gros, hein, comme pour le colis, mais c'est une figurine que j'attendais impatiemment. Elle arrivait assez vite, un mois et demi à peu près, depuis qu'elle est partie, ça va, depuis la Chine. On va ouvrir ça direct avec vous. Direct. Toujours bien scotché, hein. On reconnaît bien le scotch de nos amis chinois. Scotch jaune. Il n'est pas brun, il est jaune. Nous, on a du brun, du blanc, mais eux, ils ont du jaune. Ah, celui-là, il est ouais, jaune. Ok. Comment ils ont scotché ça? Je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. Ils ont scotché le carton. Ouf. Non, ils ont collé le scotch sur le carton. Ben, ils sont pas très mal à main, hein, parce que là, voilà le couteau. Ouais, c'était pas mal hein, leur truc là. Bon, on va essayer. C'est pas abîmé là. Oh là 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 là. Quel bordel. Bon ben une surprise pas top quoi. Ça m'énerve. Non c'est pas cool ça. Vraiment pas cool. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Pas possible. Pas compliqué d'envoyer un carton. Mais non, mais elle est scotchée. Elle est scotchée au truc. J'hallucine, quoi. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Il faut m'expliquer. Plastique qui sert à rien. Bon, ça sert à protéger, mais bon, moi j'y vais un peu. Ouais, mais bon, ça vient pas là. C'était... Mais la galère. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Possible! Il vient pas! Il ne vient pas! Scotcher un scotch à l'intérieur, tu m'expliques ça? Bon bah, un carton est mort. Hein. Non, on va faire ça. En fait.
mais ils ont scotché. C'est un demi-carton. Ils ont scotché sur le carton d'origine, quoi. Bon, bah sur carton, au revoir. Oh putain, mec. En fait, il n'y a pas... J'ai compris. Oh, c'est pas vrai, mais ce massacre, mais ce massacre... Mais les numéros, je te jure. Non mais mec, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs, ils ont scotché. Il n'y a pas de fond en fait. Ils ont mis deux bouts de carton comme ça et ils ont scotché autour. Non, j'en ai vu ça. Alors là, c'est FNC là les gars. Pas cool quoi. Vraiment pas cool ça. Que je me trouve un sur carton. Non mais regardez. Ah mais j'ai pas décollé. C'est scotché sur la boîte quoi. Et là aussi. Mais comment je vais l'ouvrir? Avec leur coin. Oh mais les mecs. Bon bah ce qu'on commandait chez FNC. Bon bah le carton. Allez, on va enrouler la boîte. Au niveau des mecs. Bon bah. Un massacre. Un massacre, merci. Faut pas être maniaque des boîtes, hein. Je vous dis tout de suite. Moi je vous dis que ça me saoule un peu. Et puis je sais pas comment l'ouvrir. Ils ont tout scotché les mecs. Il y a leur coin en plastoc là. Non mais regarde, non mais regarde. Là c'est pété, c'est cassé. Oh. C'est quel côté? Je sais même pas où il s'ouvre quoi. Ah là. Je vais même pas le toucher. Maintenant je suis obligé pour l'ouvrir. De couper ça. Mais les... Mais c'est pas vrai. Bon, là, il y a une ouverture. Bon, là, il est déchiré, hein, maintenant. Non, c'est pas vrai. Oh là 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 là, le massacre, mais le massacre. Je vais essayer de faire comme ça là. Ça va pas le faire. Non, mais ils ont voulu économiser deux coins de carton. Bon, ben, on a reconnu, hein, Samurai Yoroiden, Samurai Trooper. L'armure verte, l'armure de la lumière, l'armure de la lumière, CG qui a été emballé et un scotché quoi. Ah bah ouais, bah attends, je m'étonne, c'est scotché partout. Et j'espère que FNC. Je vais cliquer dans un mail à FNC parce que. C'est pas cool quoi. Franchement là, en bas, le carton est massacré quoi. Regardez, il est scotché de partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les mecs?
Vous avez plus de carton en stock ou... Mais il n'y en a pas, quoi. Désolé hein, pour... Bah, ça, c'est un imprévu, unboxing imprévu. Je suis un peu énervé. Hein. Je cache pas, je suis un peu énervé. Ah, c'est bon, bien. J'espère qu'elle n'est pas pétée, parce que là... Le carton massacré, super. Qu'est-ce qu'ils sont plantés. Voilà, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Ils ont plus mis les lanières, comme Senseiya. En fait, c'est que Senseiya où ils font les lanières scratch. Là. En fait, Samurai, ils veulent juste... Voilà, c'est pas la même gamme, ou je sais pas, si on plus à fond sur Senseiya. Bon, elles sont pas... Voilà. Voilà, voilà. On va monter ça. Là, le socle. Ah oui, j'ai vu tourner une vidéo sur le net, vous mettez les éclairs et tout, ça a pas l'air... Super simple, le socle, pas mal, hein. Ouais, l'effet d'herbe, excellente par contre, superbe, le gazon là, résine ou plastique, les feuilles, ah. Magnifique, non, c'est joli, très joli. Nos couteaux, c'est tout scotché. Et scotché de partout. Alors, franchement, les Samouraïs, moi, c'est une série que j'avais adorée quand j'étais petit, avec Sensei et tout ça, mais je trouve que les armures, elles avaient vraiment, vraiment de la gueule, quoi. Les armures super paint, hein, comme d'hab. Franchement, c'est joli. Hein. Le noir là avec les reflets, c'est pas noir, c'est anthracite brillant, hein. C'est wow, c'est superbe, superbe. On va mettre ça comme ça, une feuille. Ouais, alors j'ai pas regardé sur net pour mettre, oui j'ai vu une vidéo sur net, pardon, pour les feuilles. Et puis les éclairs, ça n'a pas l'air facile, mais il n'y a toujours pas de plan comme d'hab. Hein. Ils devraient mettre des plans. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent. Ils s'obstinent à ne pas mettre de plans dans leur figurine. Je monte un peu. Je monte en parlant. Ah, oula. Alors l'épée. Oula, je viens de voir un truc cool. L'épée. Non, je me disais, c'est pas possible. J'ai cru qu'elle était en métal. Non, non, elle est... Mais alors, elle est solide. Du scotch partout. Partout, partout. Voilà, il y en a du scotch, surtout sur le plafond. L'épée. Franchement, l'épée, elle est excellente. Non, elle n'est pas en métal. Mais alors... avec une lame un peu noire, assombrie, pas mal. Bel effet. Il a un énorme katana, là. Son arme est magnifique. Mais non, c'est plastique. Hein. Heureusement. Ils sont pas fait en métal comme la Rio. Mais les épées de Rio,
il fallait commander la White Trio avec son tigre. Et là, il doit offrir en cadeau les deux épées métalliques de, pour la Rio. Et ça change parce que les épées de base en plastique, là, c'était pas du plastique comme ça, c'est du plastique tout mou. Alors c'était un peu tordu, c'était pas super joli. Mais là, elle est bien faite, hein. Même si c'est du plastique, on voit qu'elle est bien moulée. Et c'est pas du plastique cheap, quoi. La Rio, c'était du plastique cheap, c'était pas joli. Mais là, les épées en métal, waouh, c'est bon, ça brille, c'est magnifique. La plaque, comme d'hab, hein, superbe. Et j'ai la numéro 61 pièces, Europe USA, 61 pièces. C'est pas beaucoup, hein. 45 sur 61, j'ai le numéro 45. J'aurai jamais un numéro 27. Non, parce que je suis fan du numéro 27 et j'aurai jamais un numéro 27. Ouais, numéro 45 sur 61. Jolie plaque. Avec son socle qui doit être posé là. On va le mettre après. Là. On va continuer à monter la pile. Voilà, voilà. Attends, comment tu vas, toi? Là. Tac. Des feuilles partout. Je vais pas les casser. Parce que le plastique, là, il est... Voilà. Par contre, là, les feuilles sont cassées, mais je crois que c'est fait exprès. On doit se fixer à quelque part. Là, c'est quoi? Ah, c'est des branches d'arbres. Des branches d'arbres. Des branches d'arbres partout. Voilà. Bon, je vais casser ces plastiques parce que franchement... Voilà, des feuilles. Mais il y en a des feuilles. Il est fort, il y en a bientôt. Des feuilles. Des branches d'arbres. Des branches d'arbres. Et voilà. Ah. Bah, je vais chercher des piles après. Bon, de toute façon, je vous ferai des photos avec allumé, pas allumé. Je vous montrerai à la fin de la vidéo allumé, pas allumé. Les éclairs, on ne peut pas les casser. Les éclairs. Comme c'est pouvoir, c'est la lumière, hein. Lumière éclair, à mon avis. En fait, c'est tous les samouraïs, c'est tous les éléments de la nature. Les éléments de la nature, il va en manquer un après celui-là. Celui avec l'arc, je ne sais plus son nom. Pas mon préféré. Mais bah, je vais le prendre commande, hein, je vais tous les avoir. Je le prendrai. Ah, ouf! Ça, c'est les éperons. Alors, les éperons, sur les premières, malheureusement, je les ai cassés en les mettant parce que c'était très, très, très fragile. J'ai réussi à les coller. Mais voilà, c'est super. Là, je crois qu'ils ont l'air plus solides. Le plastique est plus solide que les premières. Mais là, c'est emballé. Waouh! Wow. Je préfère le découper parce que le scotch là il y en a partout. Voilà, un éperon. C'est les éperons qui vont derrière les pieds. J'aurais dû les mettre avant peut-être. Voilà. Et voilà. Et la tête, mais il n'y avait pas un masque. La tête qui est montée. Les bras, ouais, ça est monté aussi. C'est des conneries. Je ne vais pas casser les sortes de cornes. Superbe tête, hein. Comme d'hab. Paint excellent. Beau vert. Oh, ses cheveux blonds. Voilà. Le masque. Ah, bah voilà, je cherche le masque.
Ah, et ça, c'est une pointe. Ah, c'est le bout de l'épée, en fait. Parce que l'épée, il faut l'en mettre dans la main. D'accord, j'ai compris. Et après, on referme avec la pointe l'arrière de l'épée. Une pointe. Comme ça, l'épée. Pas mal, cette épée. Et là, on va enlever ça. Ça aussi. C'est ça. Et le masque. Bon, on peut le mettre sans avec. Je vais le mettre avec. J'aime bien avec les. Je sais pas comment le mettre par contre. Comment il tient. Si ça tient tout seul. S'il se clipse ou il faut le coller. Je sais pas si c'est clips. Attends. Qu'est-ce qu'il se fait dans les coins? Ah. Ah oui. Ah oui, on peut. D'accord. Faut trouver les deux encoches du. Waouh. Je vais pas y aller, je vais pas forcer. Très solide. Il y a des encoches. Mais alors. Ouais, d'accord. Bon. Son casque au début. Les épées, comme ça. Allez, poser. Voilà. Là. À mon avis, ça se ferme. Oh, il est excellent. Il se ferme comme ça, je crois. Voilà, là, j'ai réussi. On va le mettre. Et voilà. Bon, je vais mettre tout ça. Et je reviens après, parce que là, à mon avis, il y en a pour un moment. Faut que j'aille voir sur le net. Non, on peut déjà voir en gros. Et je vous fais. Bah, tout de suite. Voilà, j'ai monté la statue. C'était pas facile parce que j'ai pas trouvé la vidéo sur le net. Non, je l'ai pas trouvé. Pas facile. Comme d'hab, mais les trous, ça va. J'ai réussi parce que ça va. Franchement, j'ai pas trop galéré. Il y a juste le tas de feuilles là. Bah, je vous montre après. Là, la page peut prendre. Le tas de feuilles là, il faut vraiment les mettre un sur les autres. Mais celui-là, du dessus, j'ai pas trouvé le trou de mettre. Mais bon, il tient. Alors, je l'ai posé dessus. Ça, j'ai réussi à en faire dans le trou. Celui-là, il va. Et celui-là, il doit aller là. Hein, je vois pas où il va d'autre. C'est une tige en. Bah, je vais vous montrer. C'est une tige en métal comme ça. Une pointe en métal. Puis elle s'enfile dans un trou. Celle-là, il y a un trou pour la petite. Ça, c'est bon. C'est une sorte de petit rectangle. Là, on le voit. Mais celle-là, elle doit aller là. Je vois pas où elle va d'autre. Mais je trouve pas le trou. J'arrive avec l'ombre de poche peut-être parce que c'est vachement sombre. Mais elle tient nickel, alors je la mets là. Parce que d'ailleurs, même j'étais voir sur les photos, je vois que ça fait un gros tas de feuilles en fait. Et pour le casque, j'ai trouvé le truc, on peut. En fait, il est monté. Et puis pour le mettre le cache-visage, il faut le mettre par derrière comme ça. Tac. Et on remet la tête dessus. On voit les cheveux, hein. Bon, là, il est un peu chaud, on dirait un moine. On dirait un petit moine. Moine, ouais. Et, normalement. Non. Oui. Oui. Tac. Et voilà. Alors, forcez pas. Il faut tirer la tête. Mais j'avais vu la vidéo, mais je sais. Tac. On va le mettre sa tête. On va le mettre sa tête. L'épée là. L'épée, elle tient. Ouais, en fait, elle tient sur son armure, en fait. Ouais, puis ça on peut le tourner. Ah non, on peut pas. Il est comme ça, il n'y a qu'un sens comme ça, on peut pas le mettre comme ça. Bah voilà, j'ai monté cette Seiji que je trouve magnifique. Franchement, elle trouve magnifique. Et il y a les LED, ouais. Attendez, je vais aller plus près. Bah attends, je vais allumer depuis là. J'ai trouvé des piles. Par contre, j'ai le boîtier. Il manquait un bout là, il tient pas bien.
Oh, c'est pas très grave, hein. Mais bon, voilà. Tac, je vais mettre là. Ça va avancer un peu. Tac. Voilà, la lumière. Franchement, elle est cool. Hein. Elle est vachement belle, cette figurine. Moi, je suis fan de ces armures. Le logo des éclairs, là, sur les... Moi, je vais rapprocher un peu. Elle est magnifique. Ouais. L'ILED, elle donne bien. C'est là le tas de feuilles. Franchement, le détail de l'herbe aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit. C'est pas mal, hein. Le gazon, il rend super bien, le gazon. Je suis étonné. Ouais, c'est joli. J'ai pas de figure avec du gazon, en fait. Du gazon, je viens de m'apercevoir. C'est super joli. Et la tête avec le masque, le cache-masque, moi je préfère, c'est ouais, plus agressif, quoi. Super figurine, vraiment. Simple, mais efficace. Je trouve simple et efficace. Je vais la mettre avec les autres dans la vitrine. Bon, on les voit au fond. Et je vais les mettre ensemble. Et je vais vous... je reviens tout de suite pour vous. Et on va toutes... voilà, je vous prépare une petite surprise. C'est pas beau, ça. Tous les éléments. On les reconnaît bien, là. Hein. L'eau. Le roc. L'éclair. En vert. Ils l'ont fait en vert. Et le feu, les deux duos. En feu, en rouge. Il en manque un. Il en manque un, c'est Thomas qui manque, sauf erreur, oui. Thomas. Thomas, c'est l'air, sauf erreur. Avec son arc. Mais il est bleu aussi. Ouais. Bah, en fait, ça donne bien avec ces lumières. Je vais rallumer. Et on va aller voir après tout ça. Voilà. Alors là, on a le White Rio avec sa superbe armure, avec son tigre qui est aussi transformé avec son armure. Sur son temple, moi j'adore cette figurine. Je la trouve magnifique. Je trouve que c'est la plus belle de toutes. Bon, elle est déjà plus grosse. Je crois qu'elle est édite à 100 exemplaires, celle-là, pour l'Europe. C'est vraiment peu. C'est 100. Ouais, 100 exemplaires. Celle-ci. Après, je vais ouvrir. Hop, voilà. Là, c'est Rio armure normale rouge. 100 exemplaires aussi pour l'Europe US. Hein, Europe US. Là, tout, c'est tout pour Europe US. Parce qu'en Chine, je crois que c'est le même nombre. Ou l'Asie. La Rio, elle est magnifique, vous avez vu là. C'est les sables. En fait, c'est les sables en état que je vous parlais avant. Quand vous commandez la blanche, ils vous donnent les sables en métal. Parce qu'à la base, c'est sur plastique comme ça. Et ils font un petit pour ça. Ils sont un peu tordus, là, si je la mets de face comme ça. Ouais, là, ça, on voit pas, mais elle est un peu... Et là, c'est droit, c'est net, c'est en métal. Et celle-là aussi, elle est en métal. Celle-là est en métal, c'est magnifique. Et celle qu'on vient de... Je viens de recevoir. Superbe. Magnifique, moi j'adore. Elle est magnifique avec son katana. Franchement, c'est ma... Bon, lui, c'est mon préféré. L'armure rouge, là, on voit, il a l'armure de feu. Mais lui, c'est mon second, franchement, le second, là, que j'adore cette armure. Avec son épée, là, je trouve qu'il a de la classe. Même le casque avec de cornes dorées, là. J'aime bien. Et là, on avait regardé, hein, il y a moins d'exemplaires, c'était 60... non, j'avais dit quoi, 81. Non, 61, pardon. 45 sur 61. 61, c'est très peu. Déjà, je sais pas pourquoi ils ont sorti 61. Bizarre. Ah, lui, j'adore aussi le rock. Oh, c'est pas mon préféré, mais lui, c'est un peu le rigolo de la bande. C'est un peu le Michelangelo des Tortues Ninja. Il fait un peu le con, un peu pas le boulet, mais voilà. Bien. Lui, c'est 100 exemplaires aussi. 100 exemplaires. Mais je crois que c'est tous 100. C'est que le dernier qu'ils ont fait. Et lui, il a 100 aussi. Bien. Ouais. 100 exemplaires. Le pouvoir de l'eau. Voilà, moi je les trouve incroyables. Je suis vraiment fan de cet anime.
Après, je l'ai vu. Après, oui. J'ai vu qu'il y avait un coffret au Japon qui était en Blu-ray, qui est sorti en Blu-ray. Mais il n'est pas édité ni chez nous ni aux US. Et il vaut très très cher, dans les 500 boules, 500-600 francs. Euros. Francs, euros. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Je voulais le commander. Puis après, j'ai vu qu'il n'y avait que le japonais. Je dirais à ce prix-là. Voilà quoi. Mais je sais pas si quelqu'un l'a mis sur le net. J'aimerais bien l'avoir en qualité Blu-ray. Et avec les sous-titres français ou même anglais. Hein. Ça serait pas mal. Alors peut-être que quelqu'un a le lien. Je sais que c'est pas tant légal, mais bon, ils veulent pas les sortir. À un moment donné, j'aimerais bien les voir. Parce que moi, j'ai les coffrets. En plus, je les ai achetés. J'ai deux coffrets, il me semble. Mais la qualité, c'est du DVD. La qualité double, l'image, des fois, elle saute. La qualité, pas terrible. Je sais plus qui c'est qui a édité. Mais vraiment pas terrible. C'est dommage, parce que c'est vraiment un superbe animé. Moi, je suis fan. C'était vraiment la paire des chevaliers, du Zodiac. Ouais, les armures, ouais, c'est vraiment des samouraïs, quoi. Moi, je suis fan de samouraïs. Bah, tout c'est comme le Japon, les samouraïs. Hein. Et je les trouve magnifiques, ces armures. Je les trouve magnifiques. Alors, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on attend la 1, 2, 3, 4, 5, la 6e. La 6e, le 5e, hein, parce qu'ils sont 5, Rio il est en deux fois là. Mais j'ai hâte de toutes les avoir. Je sais pas où je vais la mettre, ce qui manque une place. Je vais peut-être enlever le White Rio en haut et la mettre là, mais c'est dommage parce que lui, je ne vais pas le caser, il est tellement énorme. Je verrai. Bon, bah, je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous laisse sur ces superbes images. Superbes figurines, pardon. Les images ne sont pas si superbes que ça. Hein. Je ne sais pas Steven Spielberg. Hein. C'est sûr. Mais ces figues sont incroyables. Avec les... Ah oui, les systèmes... ils ont tous des systèmes à piles, hein, vous avez vu. Derrière, on peut les brancher comme ça avec ça. Tac. Et la seule... qu'ils ont mis les piles à l'intérieur et le bouton caché derrière le nom. Je vais enlever le nom, il est monté. Et le bouton est là. J'ai pas compris pourquoi celui-là il est comme ça. Moi je vais un peu le tourner parce que. Voilà, il est comme ça normalement. Voilà. Et je sais pas pourquoi celui-là il est comme ça. Et les autres en tous. Mais bon, après moi je suis pas fan de ces LED parce que. Voilà, ça donne bien, d'accord. Mais c'est des trucs qui tombent en panne, si ça casse. Après, la figurine, elle perd peut-être de la valeur. Alors, ouais. Bon, ils l'ont fait. C'est joli. Mais je les allume vraiment pas souvent. Hein. C'est juste pour la vidéo. Mais c'est vrai que ça donne bien. Dans le noir, ça donnait bien de loin. Voilà, cette fois, j'ai tout dit. Ben, faites-moi des commentaires dans les coms sur YouTube ou sur Facebook même. Je viens de faire une page Facebook, Strega Collectors. Je vous aide, vous pouvez vous venez, et puis je mets pas mal de photos. Et je mets les liens des vidéos YouTube aussi. Autrement, j'ai une page Instagram aussi. Je suis moins sur Instagram, je devrais y aller un peu plus, c'est vrai. C'est Strega27 sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre, je poste aussi. Et bah sur YouTube, voilà quoi. Et je vais recevoir, j'ai reçu 2-3 jouets là, je vais faire 2-3 vidéos. Alors j'espère que celle-ci vous a plu, et moi je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien.